bienvenue. Aujourd'hui, on va voir du neuf, on va voir des nouvelles fonctions dans Clo 3D. Allez, je vous emmène. La toute première, eh bien, vous voyez, là, j'ai mis mon petit pantalon de base, bête et méchant. Je vais maintenant sélectionner le bas d'une jambe, dos et devant, d'accord? Et là, bah, ça va être assez simple. Vous sélectionnez vos lignes et là, vous faites retrousser. Retrousser va vous donner la possibilité, et ça se voit en 3D, de faire un retournement, d'accord, avec une distance, par exemple, précise, ok, et de dire ok. Et là, vous allez voir que votre jambe, automatiquement, vous voyez, se rétrécit et vous donne un bas d'ourlet. Ok, retournez. Alors le seul petit bémol, c'est que à cette fonction, ils n'ont pas prévu de pouvoir éventuellement eh bien revenir en arrière. La seule manière de revenir en arrière, eh bien c'est de faire un petit CTRL Z ou alors d'aller dans votre historique et de revenir tout simplement à en arrière. Hop, vous voyez ici. Voilà, jusqu'à ce que vous puissiez tout simplement retrouver votre jambe à l'ordinaire. Donc là, voilà, vous voyez que là, ça fonctionne très bien quand je reviens dans mon historique. Deuxième nouveauté. Alors, ça se passe en 3D et c'est assez simple à comprendre. D'accord? J'ai ici mon buste de base, taille 38, d'accord? Et vous pouvez visualiser sur ma 3D que tout est cousu. Ok, j'ai envie de faire un petit commande A ou contrôle A sur PC, d'accord. Et là, eh bien, normalement, hein, la procédure voudrait que j'affiche en fait les points d'arrangement et puis je clique mes points pour pouvoir, hop, mettre en 3D mes pièces autour de mon mannequin. Et bien maintenant, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle tout simplement l'arrangement automatique. Et quand je clique, j'ai ici une petite fenêtre qui s'est ouverte, vous voyez, là. Et là, assez simple, arrangement 3D automatique. Les patrons sont classés par ordre de précision. Et donc, je vous dis procéder. Et là, vous voyez que le patronage, automatiquement, s'est positionné autour de votre mannequin. Il suffit tout simplement de dire OK. Et par la suite, de lancer votre simulation et clac, votre patronage de base va automatiquement se positionner sur le corps. Alors, ma troisième astuce concerne la création de mouvements. Vous savez que maintenant, dans Avatar, vous pouvez faire conversion automatique de mouvements. Je clique, tout simplement, ça va me mettre un avatar, ok. Dans cette petite fenêtre, eh bien, je vais pouvoir choisir le type d'avatar, par exemple. D'accord? Donc, automatiquement, voilà, il me met mon petit avatar. Bon, là, je vais revenir dans Farm. D'accord? Voilà. Et puis, maintenant, il faut aller chercher un fichier mouvement FBX. Alors, moi, j'ai été pour ça. Et là, hop, je vous montre, d'accord? Sur ce site qui s'appelle Mixamo. D'accord, c'est Adobe qui fait ça. Et donc là, il suffit tout simplement ben, de choisir. Ok, donc là, vous mettez par exemple marche, combat, si vous voulez faire des choses. C'est un site qui est normalement dédié à la création de pour le dessin animé en fait. D'accord, voilà. Donc là, par exemple, je vais aller chercher un mouvement. Vous voyez, tout simplement. Ok. Donc après, c'est tout simple. Hein, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Ok. Et ça va jusqu'à 5 possibilités hein, de fenêtres, comme ceci, par exemple. D'accord. On va prendre, par exemple, celle-là. Ok. Voilà, avec une petite démarche chaloupée. Donc vous pouvez éventuellement zoomer dessus. D'accord. Déplacer, visualiser sa marche comme ceci. Je peux
ici, d'accord, choisir concrètement des actions. Donc ça va automatiquement envoyer hop, là. Voilà, vous voyez que ça va bouger les choses. Hein, là, c'est l'espace des bras, par exemple. Vous voyez, voilà. Là, je peux, hop, agrandir l'espace de frame. Après, je peux, hop, pousser plus loin, overdrive. Vous voyez, ça c'est la vitesse, hein, c'est pour vous montrer. Donc là, on va la garder à 50-50, voilà, ou baisser un peu, voilà. Après, ici, je pousse plus loin, et là, vous voyez que, hop, elle se balade de manière plus maniérée, on va dire. Voilà, là c'est la même chose, vous voyez, là elle est beaucoup plus raide, et hop, elle se balance un petit peu moins, d'accord, hop, je peux la faire un peu plus sautiller, voilà, par exemple. D'accord ? Donc voilà. Donc une fois que vous avez choisi, vous faites tout simplement télécharger. Et là, vous ne changez pas le format. Ce n'est pas la peine parce que ça marche très bien pour Clo. Là, vous pouvez par contre choisir la durée. Ok ? Et vous dites télécharger. Et là, une fois que vous avez téléchargé, vous créez une librairie mouvement. Et dans lequel vous allez tout simplement, d'accord, eh bien, mettre le mouvement enregistré. Voilà, d'accord. Donc une fois qu'il est téléchargé, eh bien c'est simple, vous allez dans Clo, vous retournez dans Clo, et là, dans Fichier de mouvement FBX, eh bien vous allez aller chercher votre fichier, d'accord, qui est là, ok. Et là, vous faites Open. Vous faites convertir, et voilà, d'accord. Et là, bah, je ne vais pas sauvegarder, hein, c'est juste pour, je ferme, voilà. Et je vais appuyer sur le petit bouton lecture, et voilà, d'accord. Vous voyez que là, mon fichier est enregistré, d'accord, correctement, ok, voilà. C'est bon pour vous? Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est à vous après, par la suite, hein, bah, de visualiser l'angle, hein, hop, et puis de voir hop, ce qui vous plaît. Bien évidemment, on retourne en arrière et on avance. Voilà, d'accord? Donc voilà, donc après, par la suite. Donc si vous voulez créer après un mouvement pour créer en fait un défilé, eh bien vous allez tout simplement dans Motion, hein, Avatar, vous choisissez bien sûr Femme, là où vous l'avez enregistré, Motion, et là vous allez retrouver en fait votre fichier, ok. Et là, il suffit tout simplement de le positionner sur votre silhouette, de mettre le temps de votre durée de marche, d'accord, et après de dire ok, et là vous lancez après par la suite, bien évidemment, d'accord, hop, votre silhouette, vous voyez, va hop, et voilà, d'accord, voilà. Donc là, bien évidemment, j'ai pris un fichier. Voilà, et donc là, je peux éventuellement prendre un deuxième fichier pour visualiser ce que cela donne, d'accord. Et là, pareil, hop, vous voyez, j'ai mon fichier qui marche, et bien sûr, c'est beaucoup plus long, puisque j'ai mis
un petit peu plus de temps. Voilà, qui conclut notre cours, ok, sur les nouveautés de Clo 3D et surtout la partie que j'aime le plus, qui est celui de l'animation.